Coucou tout le monde. Alors, je vais vous faire un petit unboxing. Voilà, à force de voir vos publications sur les réseaux sociaux, vous m'avez donné envie en m'apprenant que Action avait créé une nouvelle série de Diamond Painting. Donc, j'ai voulu m'y rendre pour voir un petit peu ce que c'était, parce que vos photos et vos publications m'ont fait envie. Donc, j'en ai trouvé 4 dans un magasin et 6 autres dans un autre. Voilà, donc on se retrouve avec 2, 4, 6, 8, 10 DP. Eh oui, j'ai de l'avance, je vais pas m'ennuyer cet hiver. Donc c'est un nouveau format, hein. C'est intéressant, ça va prendre un peu plus de temps, mais bon, c'est des 40 par 60. Voilà, il y en a avec des diamants spéciaux, il y en a avec des diamants classiques. On se retrouve sur des paysages, des animaux, un nouveau mandala, donc il y a pas mal de choix quand même. Je sais que certaines en ont trouvé 3-4, d'autres 6, moi j'en ai trouvé 10. Franchement, je pensais pas qu'il y en avait autant, donc j'ai fait le craquage. Voilà, et ben écoutez, on va commencer, je vais vous les présenter. Hop. On va faire un petit peu de place quand même. Voilà, on met tout ça ici. Et oui, je suis là. Alors, on va commencer par un qui va plaire à quelqu'un que je connais, qui m'a fait des jolis cadeaux au niveau Diamond Painting, hein, qui m'a fait des cadeaux avec des livres de coloriage, des crayons de couleur. C'est Nathalie, elle se reconnaîtra. Voilà, je suis sûre et certaine que celui-ci va lui plaire. C'est un paysage toscane aux mille couleurs. Il est magnifique. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, toujours pareil, hein, la même présentation. Voilà, un emballage classique. Je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà. Donc un emballage classique, hein, comme les petits DP qu'on avait au départ. Toujours un film transparent sur le dessin. Alors, le tool kit, toujours classique, hein, ils n'ont pas fait d'amélioration de ce côté-là. La petite barquette verte qui n'est pas ouverte malheureusement. Deux petits pains de colle carrés et un stylet rose avec un embout. Pas de multiplaceur, pas de sachet, rien de tout ça. Toujours très classique Action. La feuille de route avec le dessin. Voilà, regarde Nathalie si c'est beau. Je suis sûre qu'il va te plaire celui-là. Je suis sûre que tu vas le trouver. Voilà, alors celui-là, il est classique. Hein. Il a que des couleurs, il n'a pas de diamants spéciaux. Là, on est sur... Alors, 9, 10, 12, 14... 16, 18, 20, 22, 24, on est sur 25 couleurs. Donc toujours pareil, hein, explication en français, recto verso, pour celles qui commencera à faire du diamond painting et qui ne savent pas comment on fait. Les sachets, on est toujours sur le classique, hein, les emballages. Les emballages en sachets qu'il va falloir découper pour mettre dans vos petites boîtes. Alors, on n'a pas de référence DMC comme dans les DP qu'on peut avoir chez d'autres vendeurs ou sur AliExpress. C'est un peu dommage, mais bon, après, moi, je les classe par rapport à ça pour être sûr de les retrouver. Parce qu'on a quand même une référence, hein,
sur le paquet. Mais là, la référence. Ah bah non, tiens, ils ont changé. Chaque couleur a sa référence. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. C'est pas facile à voir parce que ça brille. Voilà, là il y a une référence ici. Il veut pas zoomer. Non, il a pas décidé. Bon. Donc en fait, sur le sachet, vous avez des lettres et vous avez des chiffres. Et ah, ça c'est intéressant, j'ai des diamants AB. Alors les diamants AB, ah bah oui, oui, effectivement, c'est des diamants qui brillent. Qui brillent beaucoup plus. Voyez, ça c'est un diamant AB, ça c'est un diamant classique. Ça brille encore plus. Vous avez le AB qui est marqué là sur le sachet. Donc en fonction de tous ces sachets, voilà, vous voyez, il y a des belles couleurs. Vous reportez vos références par rapport à la feuille de route. Les références sont ici. Donc si on prend celui-ci, encore un AB. Oh, mais il y en a combien là-dedans ? Voilà, 1, 2, 3, 4, 4 diamants AB. Ah, je ne sais pas où ça va aller sur le dessin, mais je pense que ça va être très joli. Il y a une belle gamme de couleurs. Hein. Il y a pas mal. Hein. Alors, par exemple, là, le AB, c'est un mélange de noir bleuté. Oh, il est trop beau. Donc, c'est votre référence qui est là, le premier. Si vous voulez remarquer sur vos petites boîtes. Etc, etc, c'est pareil, hein, c'est marqué, hein, le 1, le 2, le 3, tout est répertorié. Voilà, et ben moi je suis très contente parce que je m'attendais pas à des diamants AB, c'est pas souvent que j'en ai, et là je sais pas ce que ça va donner en volume, ou en relief, ou je sais pas trop, mais c'est magnifique, moi ça me plaît. Alors, la toile. Donc, une 40 par 60. Chez Action, les 40 par 60, c'est vraiment tout le dessin. On va faire un petit roulé-boulé à l'envers pour détendre mademoiselle. Hop. Voilà. On défait le transparent. Le transparent crée des figures, mais qui ne font pas de gouttière. Et on replace avec le plateau pour éviter d'avoir des bulles d'air. Les bulles d'air font que la toile sèche. J'aime pas les feuilles transparentes. J'aime bien les feuilles blanches parce qu'en plus, moi, je travaille au quadrillage. Enfin, je travaille. Je fais mon loisir au quadrillage. Voilà. Allez. Voilà. On chasse toutes les bulles d'air vers l'extérieur. Pas de bulles. Pareil de l'autre côté. Mmh.
sent bon. Et voilà. On est pas mal. Voilà, donc voilà ce joli paysage. Franchement, pour ce paysage-là, il fallait vraiment ce format-là. C'est beau, Nathalie, hein? Beau celui-là. Alors, les petits abeilles, on va les mettre où? Il est où le... Alors, le 1. Ah, alors le 1, ça va faire des reflets au niveau des fenêtres. Le S. Ah, mais en fait, c'est tous les contours des fenêtres. C'est pour donner du relief aux fenêtres. Ah, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Bon, ben j'espère qu'il vous plaise, hein, parce que moi, je suis ravie. Voilà, je vais l'installer derrière. Et on va regarder les autres. Alors, ensuite, on a Monsieur l'éléphant. Toujours pareil, en 40-60, hein. Toujours même style d'emballage. Alors on a toujours notre feuille de route. Il m'a l'air sympathique à faire aussi celui-là, tiens. Regardez. Celui-là, on est sur... Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 couleurs. Toujours le toolkit de base. On ne change pas une équipe qui gagne. Les sachets, c'est toujours le même système. Sauf que sur celui-là, on a encore moins de références. On n'a pas le... on n'a pas la référence des MC sur celui-là. On a que les petits chiffres et une lettre qu'on va retrouver sur notre feuille de route. Je ne pense pas qu'il y ait des AD dans celui-ci. Non, dans l'éléphant, pas de AD. Voilà. Donc, je ne vois pas trop un truc que je fiche pas par rapport à la feuille. Il faut que je vérifie ça. Si je prends les premières références. M4 M. M4, d'accord. N. Pourquoi toujours 4? Ah d'accord, ok. En fait, j'ai que des chiffres et des lettres.
On va jouer au mot le plus long, c'est cool ça. Oh, faut bien dire des bêtises de temps en temps. Hein. Donc on n'a que des chiffres et des lettres. Voilà, on n'a pas du tout de référence des MC. Voilà. Très belle couleur aussi. Hein. Je pense qu'il va être super coloré parce qu'il y a du rose, il y a du bleu. Il y a différentes tonalités de bleu, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du marron. Je pense, je sais pas si ça va rendre comme sur le dessin, mais il est super coloré. Hein. Un petit peu en contre-jour. Voilà. Il est très beau, quand même très beau. Bon, bah là, c'est pareil, hein, la feuille... Je la referai tranquillement tout à l'heure, parce que si je passe mon temps à le faire tout comme ça, demain on y est encore. Hop. Ensuite, on a alors un dromadaire ou un chameau. Je sais pas, il a une cape sur le dos, je vois pas s'il a une bosse ou deux. Toujours l'emballage classique. Je vais m'amuser à manger tout ça, moi, après. Alors, toujours la feuille de route. Ah, là, on a des diamants spéciaux. Pas des AB, hein. Je ne sais plus comment on les appelle, ceux-là. Moi, je dirais diamants spéciaux. Ce sera bien comme ça. Et plein de couleurs aussi, hein, dis donc. Wow. Voilà, ah, les diamants spéciaux, ils sont là. Donc là, on est sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. On est sur 28 couleurs avec les diamants spéciaux. On va vérifier s'il y a des diamants AB. Parce que... tellement coloré que c'est possible. Alors là, par contre, sur celui-là, on a le chiffre, on a la lettre et on a la référence GMC. Ça, c'est du classique. Ça, ce sont les trois spéciaux. Donc on a des petites gouttes d'eau rouge, on a des petits ronds couleur argent et d'autres petits ronds couleur vert d'eau. Ouais. Non, pas de diamant lavé. Bon, je pense que ça doit être un chameau. Apparemment, il n'y aurait qu'une bosse. Je sais pas. Voilà. Désolée, j'ai le contre-jour. Voilà. Il y a du bleu, hein. Il y a beaucoup de bleu. Il est pas mal. On a, alors ça ce sont des portes marocaines, ou tunisiennes, ou je sais pas, c'est des portes qui viennent des pays chauds, très chauds, et je crois que c'est à Tunis qu'il y a beaucoup de maisons qui sont bleues, si je me souviens bien. Alors,
Ouh, il y a du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Oui, ça ressemble à une entrée de palais, comme le palais d'Aladin, pour ceux qui connaissent le dessin animé. Voilà, je pense que c'est tunisien. Ça n'a pas trop d'intérêt, je sais pas. Ouais, bon, on verra bien. Hein. Voilà. Il y a des fleurs sur les côtés, il y a trois portes de différentes couleurs. Ça peut être intégré dans une décoration. On verra bien. Sur celui-ci, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, dont un diamant spécial. Non, il y a plusieurs. Il y a deux diamants spéciaux, je sais pas. Tout le kit. Classique. Non, il y en a trois même. Ouais, il y a bleu, blanc, rouge. Voilà. Des petites gouttes d'eau bleue, des gros ronds couleur argent et des plus petits couleur rouge. Alors, attendez, AB. On va surtout dire AB, dis donc, il y a du bleu, hein. Alors. Non, il n'y a pas de diamant spécial sur celui-ci. Il n'y a pas de spéciaux. Si, il y a trois diamants spéciaux, mais il n'y a pas des diamants AB. Des petits diamants qui brillent beaucoup plus que les autres. Voilà. Trois portes. Peut-être des portes du bonheur, je sais pas. On verra bien. Ensuite, on a un paysage japonais. Toujours pareil, hein, en taille 40 par 60. Toujours pareil, le même emballage. Alors, la feuille de route. J'arrive pas trop à voir ce que c'est. On dirait qu'il y a une pagode, une beaucoup plus grande. Devant, je sais pas, est-ce que c'est des lanternes ou... Dans le fond, on croirait des aurores boréales, ça n'a pas trop rapport avec un paysage japonais. Ou alors je me trompe complètement, j'ai du mal à voir avec le dessin. Alors, sur celui-ci, on a 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 couleurs. Toujours le temps kit de base. Ah,
on est sur de la référence classique, hein, on n'a que des chiffres. Très belle couleur. Hein. Non, pas de diamants spéciaux, pas de diamants AB. Très joli. Alors là, pour moi, c'est le mont Fujiyama. Là, dans le fond. Celui-là, il me plaît beaucoup. Tout ce qui a rapport avec le Japon, le Vietnam, le Cambodge, tout ça, j'adore. Toujours un emballage classique. Alors, la feuille de route. Voilà. Celui-là, il est magnifique. Je pense que les couleurs, waouh. Là, on est à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. On est à 25 couleurs. Kit de base. Alors là, on a les deux chiffres plus la référence. Ah, diamant AB. AB. Les jaunes. AB et les blancs AB. Ah, on a beaucoup de couleurs AB. On va sûrement avoir un très beau relief. Alors, les diamants AB, par exemple, le jaune, c'est le R. Ah, d'accord, c'est pour faire les reflets dans les arbres et dans l'eau. Voilà. Très, très beau.
Là, c'est une toile florale. Toujours l'emballage. Toujours le tool kit de base. La feuille de route. Voyez, c'est un tableau floral. Alors, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. On a 26 couleurs. On a des roses, des tulipes, des renoncules. Très belle, très belle. Mais ce sera certainement pour offrir, pas pour moi. Sur celle-ci, on n'a que les chiffres, pas de référence DMC. Et multitude de couleurs. Voilà. Très très fleuri, très très rempli de couleurs. Allez, courage, mon saillon. Plus de 3. Alors là, celui-là, il va faire partie de ma série de fauves. Un jaguar. Toujours un emballage. Attention, il va vous mordre. Mon gros chat. Il a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 couleurs. Le tout kit de base. Et là, nous avons les références DMC, puisque nous retrouvons pour toutes celles qui ont l'habitude
trop cher. 310 noir. Noir. Pas de diamant AB, pas de diamant spéciaux. Et voilà. Il va être beau. Il va être très beau. Dans les oiseaux avec un toucan. Si je le mets au milieu de mes trous, il va pas durer longtemps. Le trou. Il va se faire bouffer. Alors, toujours l'emballage classique. Voilà. Et là, il y a du verre. Beaucoup de verre. On est sur 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 couleurs. Toolkit de base. Alors, oh, ils sont gentils. Que du verre de la même référence. Là, on a les références DMC. C'est très bien. Même référence de verre. Voilà. Pas de diamants spéciaux, pas de diamants AB. Et voilà le moineau. Il y a du verre, hein? Et un nouveau mandala. J'ai eu le bleu, j'ai eu le rouge, et celui-ci, c'est l'orange. Toujours en grande taille, toujours le même emballage.
Courage, Roussaillon, c'est le dernier. Bien, les couleurs sont douces. Alors on est sur 2 4 6 8 10 12, on est sur 14 couleurs avec des diamants spéciaux et peut-être des diamants à deux. Allez, faut voir ça. On n'a pas de référence DMC, on n'a que des lettres et des chiffres. Alors, diamants spéciaux, goutte d'eau jaune, rond bleu, rond argenté, rond jaune soleil, rond couleur or, goutte d'eau blanche, goutte d'eau bleue. Voilà, et c'est sûr. Et voilà. Il est beau, hein. J'adore les couleurs. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vais me faire un plaisir de tout re-ranger, hein, parce que si j'avais tout fait en même temps, on y aurait passé au moins 2 heures. Donc je vais ranger tout ça. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider si vous avez l'intention d'en acheter. Les toiles sont à 5,49€ pour un 40 sur 60. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt, bon DP.